Salut à tous, c'est Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc là c'est un glitch pour les pauvres. Donc voilà, c'est un glitch qui n'a pas encore été patché. Ça fait des années ça fait des mois et des mois qu'il est encore actif et qu'il n'a pas encore été patché. Et franchement je pense qu'il ne sera jamais patché. Du coup voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à en profiter un maximum. Vous allez vous faire 1 million en 10 minutes, donc voilà, c'est vraiment énorme pour les pauvres. Donc le seul problème c'est qu'il faut avoir un ami à vous pour vous aider. Donc n'hésitez pas en tout cas à mettre votre PSN ou votre gamer tag dans les commentaires, car ça marche sur PS4 et sur Xbox. Du coup voilà, du coup pour commencer ce glitch, donc vous aurez besoin d'avoir un complexe, d'accord, et dans ce complexe là vous aurez besoin d'avoir le braquage du Bogdan. C'est obligé d'avoir le braquage du Bogdan, d'accord? C'est obligé, sinon vous ne pourrez pas réussir le glitch. Donc vous devrez aussi vous inscrire en tant que Sécuroserve. Donc vous faites pas être tactile et vous faites Sécuroserve et vous faites s'inscrire en tant que PDG. Nickel. Une fois ceci fait, vous allez avancer au niveau du braquage et lancer et inviter votre ami. Donc avant ça, je voulais vous remercier qu'on est déjà à 2700 abonnés. C'est un truc de malade. Hier, on venait à peine de passer les 2500 et on a gagné 200 abonnés en un jour et demi. On a gagné 200 abonnés. C'est un truc de malade. Merci à vous tous en tout cas d'avoir partagé ma chaîne YouTube un maximum, de me motiver ainsi pour les nouveaux emails qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. On a gagné plus de 200 abonnés. On est déjà à 2700. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais on s'approche à vive allure des 3000 abonnés. C'est un truc de malade. Donc n'hésitez pas en tout cas à continuer à partager ma chaîne YouTube un maximum à tous vos proches, tous vos amis. Du coup voilà. Du coup maintenant commençons pour le glitch. Allez hop, donc là c'est parti donc pour commencer le glitch. Donc là vous allez vous rendre à la salle des braquages. Donc il faut bien avoir donc le braquage du Bogdan donc pour réussir le glitch. Donc, une fois rendu dans les paramètres de l'accueil, vous allez mettre en difficulté difficile pour gagner les 1 million de dollars, d'accord, à la fin de la mission. Du coup hop, vous allez inviter un ami à vous pour qu'il rejoigne. Dès qu'il le rejoint, vous lancez l'activité et vous allez mettre les paramètres bien comme il faut. Donc moi pour ma part je vais me mettre à 15%, c'est le minimum qu'on peut mettre car moi je n'ai pas besoin d'argent. Mais pour votre ami qui est pauvre, vous mettez le maximum de pourcentage, vous mettez 85% pour qu'il gagne les 1 million de dollars, d'accord. Donc hop, c'est parti. Donc là on confirme et on lance. Du coup là on lance, tac tac tac, là hop, on rentre dans le bunker et on sort dehors. Donc là vous allez prendre un véhicule personnel. Donc moi j'ai pris le véhicule personnel de mon ami, c'est-à-dire sa petite 811, et vous allez vous rendre au même endroit que moi sur la map, c'est-à-dire au petit raccourci. Regardez, je fais start et c'est au niveau des rails. Donc si vous suivez les rails, vous allez vous rendre ça va vous rendre donc à l'Avenger et à la Stromberg. Donc là on se retrouve juste après dès qu'on est arrivé. Donc là hop, donc là on est arrivé. Donc mon ami il va pas monter dans l'Avenger, moi je monte bien dans la Strongbird, la petite voiture blanche, tac, et je vais faire la mission. Donc lui pendant ce temps il va prendre le véhicule personnel, il va se rendre à la plage et m'attendre. Donc le but de faire ça c'est que mon ami n'aura pas les hélicos d'attaque sur lui, c'est-à-dire les hélicos n'arriveront pas, et il pourra m'attendre tranquillement, patiemment, le temps que je finisse ma mission. Du coup allez hop, mon ami va se placer sur la plage, et moi pour l'instant là je vais suivre la mission, d'accord? Donc là c'est parti, hop, je vais rentrer dans l'eau et je vais aller me diriger au niveau du sous-marin. Donc là hop, j'aurai une petite cinématique pour rentrer dans le sous-marin et c'est parti pour faire la mission. Donc une fois que je suis rentré dans le sous-marin, il faudra bien suivre le même chemin que moi, les mêmes trajectoires. Du coup c'est très très important pour réussir le glitch. Du coup hop, là on prend les armes et on tue les ennemis, tac tac tac. Il y en a, là il y aura trois ennemis, donc là on les tue, hop. Donc faut faire très attention car c'est de niveau difficulté. Du coup les ennemis font très très mal. Du coup hop on les tue. Donc là il faudra faire attention, donc là il y aura encore un ennemi. Du coup là derrière la porte, hop on le tue. Là on avance tout droit. Là il y aura un ennemi, donc là il y aura un ennemi aussi à gauche. Faire très très attention à lui. Hop on le tue. Donc là j'ai un peu de mal à le tuer. Donc là il y aura encore un ennemi qui va vous rusher. Hop vous le tuez. Donc là vous allez descendre les escaliers, d'accord. Donc faut vraiment faire le même chemin que moi. Hop et là vous allez directement à gauche, d'accord, tac à gauche. Donc là il y aura un ennemi en face de vous, vous le tuez, et il y en aura un autre encore à gauche. Donc là vous le voyez pas mais il est bien à gauche, regardez, tac,
hop, vous le tuez. Donc là, vous avancez encore, tac, tac, tac. Là, vous descendez les escaliers. Et là, vous allez à droite. Donc là, il y aura un ennemi en face de vous, vous le tuez. Nickel. Hop. Tac. Donc là, il faudra viser donc la cible. Regardez, à gauche, il y a bien un mec dans une cellule. Donc il faudra le viser. Et vous allez voir que quand vous le visez, vous aurez un petit point jaune sur votre minimap. Donc dès que le petit point jaune apparaît sur votre minimap, il faut refaire la même trajectoire, mais à l'envers. Donc là, hop, on fait la même trajectoire. On monte l'escalier. Donc là, il faudra faire attention qu'il y aura un ennemi qui va arriver. Tac, donc là, vous le tuez. Nickel. Donc là, hop, vous avancez. Donc là, ça va faire passer derrière l'escalier. Donc là, il faudra monter sur l'escalier. Tac, hop, vous montez. Une fois monté, vous allez aller à gauche. Et vous allez voir que vous serez en niveau du panneau de contrôle. Tac, voilà. Donc là, il faudra juste prendre une photo. Donc vous allez ouvrir votre téléphone, aller dans Snapmatic et prendre une photo. Une fois que la photo est prise, vous allez voir que vous aurez une longue cinématique, vraiment vraiment très longue. C'est hyper chiant. Du coup, je vous fais une petite coupure et on se retrouve dès que la cinématique est finie. D'accord? Donc regardez, la cinématique va durer au moins 2-3 minutes. Donc c'est pour ça que je fais une petite coupure. Du coup, allez hop, une fois que la cinématique est finie, donc là ça va vous faire spawn dans l'eau. Et vous allez vous rejoindre donc votre ami qui vous attend sur la plage. D'accord? Hop. Vous allez voir que vous aurez des hélicos d'attaque, trois hélicos qui seront autour de l'Avenger. Donc c'est normal car les hélicos attaquent l'Avenger. Du coup, hop, vous allez vous rendre à l'Avenger, monter à l'intérieur. Donc mon ami va conduire et moi je vais rentrer par la soute. D'accord? Et après vous allez vous rendre à l'aéroport. Franchement, c'est un glitch très très simple. Tout le monde peut réussir. Donc le seul problème c'est qu'il faut avoir un ami. Donc n'hésitez pas en tout cas à mettre votre PSN ou votre gamer tag dans les commentaires pour vous entraîner. Donc voilà, donc là on rentre dans la soute. Donc une fois rentré dans la soute, vous pourrez donc aller au niveau des tourelles pour tous les hélicos, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez aller directement au cockpit où se trouve votre ami qui conduit. Du coup, pour ma part, j'ai voulu faire un petit kiff et tous les hélicos, mais ce n'est pas obligé comme je vous ai dit. Du coup, allez hop, une fois que les hélicos sont tous morts, vous allez rentrer dans le cockpit où se trouve votre ami et vous allez vous rendre à l'aéroport. Donc une fois rendu à l'aéroport, vous allez voir qu'il y aura une petite cinématique. Et donc moi je suis l'ami qui est riche. Du coup, moi, il faudra juste que je ferme l'application. Et mon ami qui a besoin d'argent, mon ami qui va gagner les 1 million de dollars, donc lui ne fera rien et ne fermera pas l'application. Il aura juste à attendre que la cinématique se fasse et il va recevoir les 1 million de dollars. Donc hop, donc la cinématique est faite. Donc pour ma part, moi je fais bouton PS. Tac. Et je vais fermer l'application et je relance le jeu. Donc le but donc de faire ça, c'est que la mission, après, vous pouvez faire ça en illimité. Si vous relancez pas le jeu, la mission, vous ne pourrez pas la relancer. Du coup, c'est très important de fermer l'application et de lancer le jeu, tout simplement. Comme ça, vous pourrez faire ça bien en illimité et votre ami aura bien reçu les 1 million de dollars. Donc moi, en tout cas, je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!